Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Etihad Stadium pour cette deuxième journée de Premier League. Et le gros match, c'est Manchester City-Tottenham. Bonsoir José. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue ici à l'Etihad Stadium. Il y en a assez de la Premier League. On veut des matchs, des beaux matchs, hauts de partout. Mais il y en a toujours pas assez pour les abonnés. Pour nous, il y en a assez. Mais voilà, on est encore en Angleterre. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Arthur. Et donc là, c'est deux équipes. Le dernier quatrième de Premier League et le dernier champion en titre, deux fois d'affilée pour Manchester City. Voilà, Tottenham va montrer s'il a les épaules de titiller les gros. Et on commence par la composition des équipes bientôt. José, est-ce que tu penses que Tottenham peut gagner ce match? Oui, il y a la place, il y a la place. Entre deux favoris au titre, Tottenham outsider plutôt, mais il y a la place avec des très bons joueurs. Ça joue très physique des deux côtés. Donc, enfin, plus du côté de Tottenham. Donc, en mettant un peu des impacts physiques, ça pourrait être capable de gagner. Voilà, donc. Sous la pluie ici. À l'Etihad Stadium. Et il pleut énormément, mais le terrain est très bon et ça va fuser par contre. Mais en tout cas, la pelouse est parfaite pour avoir du beau football. On a la chance d'être nous dans la tribune. Voilà, dans la cabine au chaud, même si José prend beaucoup de place. Voilà. Je suis pas Pierre. Donc on, allez, la composition d'équipe avec dans les cages du classique Ederson du côté de City, Walker, Stones, Laporte et Cancelo en défense. Cancelo à gauche, bizarrement. C'est de Bruyne, Rodri et David Silva. Rodri, la nouvelle recrue. Et puis Mahrez, Agüero et Sterling. On rappelle que Leroy Sané s'est fait les ligaments croisés. Leroy Sané. Et puis même s'il ne s'était pas fait les ligaments, il serait parti du côté de Manchester. Mais transfert annulé à hauteur de 110 millions d'euros. Dans les cages de Bayern. Dans les cages de Tottenham, Hugo Lloris, Walker Peters, Alderweireld, Sanchez et Rose en défense. Sissoko, Ndombele et Eriksen au milieu de terrain. Ndombele, première. D'une grande première. Superbe face à West Ham. Allez. Avec l'attaque Son, Lucas Moura et Harry Kane. C'est parti. Et donc, c'est parti. Voilà, baballe là. Et Rodri, voilà, il contourne. Bien joué ça avec Agüero. Agüero. Agüero, la frappe. Oh, le but. Du coup. Le meilleur buteur de l'histoire des Citizens. Ouvre le score ici à l'Etihad Stadium, sous la pluie. Ça fait 1-0. On va analyser tout ça. Manchester City. On a essayé de contourner, ça s'est très bien joué. Kun Agüero qui se retourne et qui frappe. Par contre, on va essayer de faire un peu moins de bruit. On est le soir, il faut se taire un peu, il y a des gens qui dorment. Capote, hein, Arthur. Mais tais-toi, arrête de raconter de la merde. Allez, le but d'Agüero et la joie de Guardiola. José P. Guardiola. Et donc ça fait 1-0 pour Manchester City grâce à Agüero dès la 12e minute de jeu. Ça fait 1-0. Ce choc est bien parti ici à l'Etihad Stadium. Il y a le 3 là. Alexson pour Walker Peters. Alexson, la frappe de Son. On va revoir parce que elle me semble être touchée parce qu'elle dit. On va revoir ça. La reprise de David Silva. Quelle occasion. La volée, très jolie, hein, cette petite chenette. On voit Giuseppe Guardiola qui s'énerve. Et donc, ça fait sur la ligne. Toujours 1-0 pour Manchester City face à Tottenham. Après, 20. Lucas Moura, Sissoko, Walker Peters. Il y a une petite position d'hors-jeu là par hasard. Le centre, ça va revenir avec Sissoko. Moussa Sissoko. Pour David Silva, João Cancelo, bien joué. Lucas Moura, allez, le centre pour Harry Kane, ça va être trop fort. Oh, quel arrêt. On va revoir ça. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une... Première mi-temps, José, qu'avez-vous pensé? Attendez, on attend. Non, mais avant que ça se termine, allez. La première période, on a vu ceci. Au début, pas vouloir reculer sur... Leur but, mais ils ont été obligés au fur et à mesure. Et un très bon pressing des Spurs qui se sont bien réveillés. De retour ici à Tottenham, à City, à l'Etihad Stadium. Tottenham est mené 1-0 grâce à un but d'Agüero à la 12e minute de jeu. Tottenham a réagi par l'intermédiaire d'Harry Kane, mais Ederson ne s'est pas fait battre. Bel arrêt. Ouais, on revoit. Très bel arrêt. Du capitaine des Spurs. Corner et des bleus. Corner à suivre avec Kevin De Bruyne. Alors que Son est sorti, l'entrée de Dele Alli. Le poteau sur la tête d'Emeric Laporte. Avec Walker Peters, Lucas Moura. Attention. Le but. Contre le cours du jeu. Le but de Harry Kane. Ça fait un partout pour Tottenham. Un partout entre City et Tottenham. J'ai envie de dire sur cette seconde période, il est un peu mais quel coup de billard. Quel coup de billard. Regardez.
Superbe ce qu'a fait quand même Giovanni Lo Celso. On ne voit pas Kane comme au dernier match, mais il est toujours là pour claquer un but. Et là, ça, tu vois, tout à l'heure, il avait mis une tête non victorieuse. Celle-ci, elle l'est. Elle lobe Ederson. Superbe but. Au vu de cette fin de match, meilleur buteur de Tottenham. C'est un peu mérité au vu de cette fin de match. Tottenham a su quand même se créer quelques occasions. Et ça fait un partout. 89e minute de jeu. Les Spurs reviennent dans cette rencontre. Et fin de match haletant ici à l'Etihad Stadium. 3 minutes de bonheur en plus, c'est vraiment du bonheur. Avec Sterling. Pourquoi pas aller Bernardo Silva. Elle est mauvaise cette passe de Bernardo Silva. Je pense qu'on va en rester là. Attention quand même. Allez, attention, ça va être la dernière occasion. Non. Voilà, on va s'arrêter ici. 15 secondes à jouer. Voilà, José, qu'avez-vous pensé de ce match? City avait bien commencé, mais comme on dit, dominer n'est pas gagné. Et de toute façon, il aurait fallu continuer à appuyer en fin de match après le but pour essayer de claquer un deuxième et un troisième pour plier complètement la rencontre. Ce que City n'a pas fait, Tottenham a fait ce qu'il fallait faire en revenant au score. Allez, Kishel Pali à la prochaine. Salut Arthur. Salut.